Hello les gens, bienvenue sur frappestesjeux.fr ou sur mon blog Tissant3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur un nouveau jeu. On va s'attaquer à une nouvelle série. Je ne serai pas tout seul, mais je vais vous en parler d'ici deux secondes. On est donc cette fois-ci sur Halo. Halo, premier nom, Halo Anniversary, sur la Master Chief Edition de la Xbox One, une console qui m'a été offerte par Sulift, édité par Microsoft Game Studio. C'est développé par 343 Industries. Alors, à l'origine, c'est Bungie hein, pour cette première version du jeu. La première fois sortie le 14 mars 2002, c'est déconseillé au moins de 18 ans, il me semble. Et c'est parti pour un tour. Bonjour, monsieur Iron Bobby, comme les précieux ardoises, vous êtes présent parmi nous. Salut, Iti, oui. Salut à tout le monde. Présent pour jouer à ce jeu, grand avec toi. Connaisseur de la saga, Iron Bobby qui ne pourra jouer qu'à des heures pas possibles puisqu'il est Tokyo Heat. Mais vous l'aviez déjà appris lors des rediffusions de l'E3. Du coup, on enlève l'Afterloise, on lance le jeu. Et jeu que tu connais d'ailleurs très bien maintenant. Bah oui, maintenant ça va faire sorti quand en 2001. Faites le calcul. Je joue depuis la première heure à ce jeu et j'y joue encore régulièrement, donc... C'est un jeu que je connais bien, ouais, effectivement. Alors, je suis, en train je suis content de le faire avec toi d'ailleurs. Ah, j'adore si, si. Refaire Halo. T'adores refaire Halo? Il y a des gens qui vont à Lourdes régulièrement, moi je vais sur Halo régulièrement. C'est mon pèlerinage. Alors s'il y a un avantage assez particulier, c'est que Iron Bobby a beaucoup d'humour. Et... oui. C'est pas du troll, hein, je précise, c'est pas du troll, j'avais beaucoup aimé Gears of War. D'ailleurs, je vous conseille grandement de retourner voir les vidéos de Gears of War d'Iron Bobby et BG sur la chaîne de BG. Ils avaient filmé ensemble le Gears of War 1 et 2, peut-être même je sais plus si vous l'avez fait le 2. C'est le 1 que vous avez fait seulement. Pour l'instant, il me semble. Je sais plus, je crois que c'était le 1 sûr et puis ouais, peut-être le 2, je sais même plus. Que le Ultimate en fait, donc du coup, BG je pense que c'est nous redire peut-être, mais. Enfin, sûrement même, c'était sa chaîne, mais non, je sais plus, peut-être le 2 aussi. Alors, n'hésitez pas aussi à me dire si niveau balance sonore, ça va et que vous l'entendez bien. Au téléphone du fail, voilà. Donc on est bien sur la première partie de cette saga sur les Halo, puisqu'on compte faire toute la Master Chief, du moins j'espère que tu seras là pour la faire. Et on va, hop là, stacker au premier, Halo 1, CE, donc Combat Evolved Anniversary, qu'on avait déjà refilmé. Et on va pas reprendre la partie... On va faire un démarrage rapide. Faut peut-être déjà que je t'invite, n'est-ce pas? Hop, ce serait mieux, oui. Enfin, moi, après, ça me dérange pas. Hein, mais... Inviter le joueur, c'est parti. Une invitation a été envoyée. Elle a été reçue et acceptée. Quelle difficulté? On va le faire en normal parce qu'il y a une latence déjà. Et l'objectif, c'est pas de se rendre malade en jouant au jeu. Donc, si on veut tous les faire et qu'on passe notre temps à mourir, ça risque d'être long. Même si je pense que Bobby serait capable de me porter sur la partie au moins héroïque. Étant donné qu'il y a une latence et tout, pour éviter que ça frustre, on va se faire ça en normal et avancer bien tranquillement. Bon, ah ouais, on pourrait peut-être éventuellement préciser que depuis que 343, ou du moins depuis qu'il y a eu cette Halo Anniversary Edition, c'était, et je parle de la sortie déjà 360, il y a en fait une latence pour celui qui... pour l'inviter à une partie. Le hoster n'a aucune latence lorsqu'il joue en ligne, mais les invités ont une latence au niveau des déplacements et une très légère au niveau de la visée, mais elle est surtout marquée sur les déplacements, ce qui fait que lorsque je veux partir sur la droite ou la gauche ou devant ou en arrière, peu importe, il y a environ une demi-seconde de décalage entre ce que j'ai demandé à la manette et ce qui va se passer sur mon écran. Donc c'est pas évident sur les niveaux de difficulté supérieurs. C'est pas impossible, mais c'est pas très fluide, quoi, du coup, ce qu'il y a, il y aurait beaucoup de morts. Bonne nickel, deuxième, non, il y aura pas beaucoup de fails. Il y en aura sûrement, de ma part, en tout cas, mais pas forcément de la part de Bobby. Donc, du coup, on verra. J'espère, ça. On verra. Attention, je joue beaucoup à Halo, ça veut pas non plus dire que je suis un speedrunner, je suis pas le Lionel Messi non plus. Hein. Non, mais je pense que tu plus, connais. J'ai déjà deux moignons à la place des doigts. Deux moignons? Ouais, deux moignons. Pas trois. Je joue avec la manette handicapée. Ah, t'aurais pu avoir trois doigts et puis se faire Spock. Bref. comme une tortue ninja. C'est ça, ouais, exactement. Allez, c'est parti, je lance une nouvelle partie normale. On va avoir une cinématique d'intro comme toujours. Peut-être que je vais enlever ma caméra pendant ce temps-là. On va attendre que ça charge avec la super musique d'Halo 1, bien sûr. Et Bobby me faisait remarquer qu'à chaque fois qu'on change de jeu, ça zappe la musique. Ça change la musique pour la mettre celle du jeu. Hop, cinématique, on se retrouve juste après.
Cortana, je veux seulement savoir si on les a perdus. Je crois qu'on connaît tous deux la réponse. On ne savait pas où on allait. Comment sont-ils ? Arrivés ici avant ? Leurs vaisseaux ont toujours été plus rapides ? Pour nous pister depuis Reach à vitesse lumière, mes options de manœuvre étaient limitées. On était dans le noir, hein ? Avant de décélérer, personne n'aurait pu manquer ce trou dans le sous-espace. Ils nous attendaient de l'autre côté de la planète. Alors, qu'en est-il ? Nos chasseurs éliminent en ce moment leur dernière unité de recours. Rien de sérieux. Mais j'ai isolé les signatures d'approche de plusieurs groupes de combat de classe CCS. Avec 3 vaisseaux majeurs par groupe, ils seront sur nous dans environ 90 secondes. Bien, on y est. Rétablissez l'alerte Alpha sur le vaisseau. Je veux voir tout le monde à son poste. Tout le monde ? Tout le monde. Au fait, Cortana. Hmm ? Accueillons chaleureusement nos vieux amis. J'ai déjà commencé. Attention à tout le personnel de combat. Veuillez rejoindre vos postes. Cinquième section, fermez les sas du pont 11. Quatorzième section, retrouvez la section tactique 22 à la cloison Charlie 14. Vous avez entendu la dame ? Allez un peu de nerf ! Ce n'est pas un exercice. Je répète, ceci n'est pas un exercice. Encore une fois, on doit finir ce que les pilotes ont commencé. On quitte ce vaisseau, les gars ! Et on attaque les Covenants sur la terre ferme ! Quand on va leur tomber dessus, on va leur faire sauter la cervelle et bien rigoler ! J'ai raison, Marines ? Oui, sergent ! Ça oui, j'ai raison. Allez en route, et que ça saute ! Votre attention. Alors pour l'anecdote, cette partie-là change selon le niveau de difficulté qu'on choisit. Ah ouais ? Et vous, les bleus qui vouliez voir des Covenants de près, vos rêves vont être exaucés. Waouh ! Monsieur ? Bien, on attend le dégel. Ok, systèmes fondamentaux activés. Ouverture dans 30 secondes. Ça y est, ouverture dans 5 secondes. Ah, c'est dommage, il y a un saut dans la musique. Mais je vais pas mentir, ça m'a donné des frissons cette intro. Venez, fichons le camp d'ici. C'est toujours aussi jouissif. C'est ça. Bon bah c'est parti. Alors je te laisse passer devant. Est-ce que tu veux récupérer 2-3 crânes ? Bah vas-y, 2-3 crânes, oui. Alors on va commencer par le premier qui est tout de suite ici. Je suis pour te répondre, contrôleur, on va essayer de s'en occuper la semaine d'après. Crâne de fer déverrouillé. Je crois que ça apporte juste des bonus, il me semble, hein, pour les parties. Alors en fait, oui, les crânes, au-delà des succès que ça peut te donner sur ton profil Xbox, non, ça oui, c'est pas forcément des bonus, c'est des bonus ou des malus. Lorsque tu vas relancer des parties, tu peux activer des crânes pour marquer plus de points. Et chaque crâne a une fonction particulière en fait. Alors j'ai oublié ce qu'était le crâne fer. Je sais qu'il y en a qui vont retirer le HUD ou ce genre de choses. Par contre j'ai peur que la musique soit un peu trop forte par rapport au son de ta voix. On va voir ça, ils nous diront ça. Ah ouais, c'est vrai que cette porte n'était plus utilisable après. Waouh, ça explose. Est-ce qu'on joue ça trop avec ce truc? Ah ouais, je te vois patiner dans le décor. Alors on va passer de tout ici. On est en train de se faire aborder par les Covenants. Dans tous les sens.
vrai que ça nous téléporte, par contre j'avais oublié ce détail. Oui, il faut. Oui, je vais essayer de marcher le plus lentement possible dans ces parties-là. Parce que... Non, mais j'étais juste à derrière toi en fait, c'est juste qu'il y avait une légère coupure. J'avais oublié que c'était aussi violent, même si je te suis de très très près, en fait ça nous téléporte dès qu'il y en a un qui arrive à. Ça téléporte quand même. Ouais. Ouais, on va se baisse légèrement la musique. Alors, attends 30 secondes. Je vais dans les menus du jeu, paramètres, on va baisser le son du jeu comme ça. RB, audio et vidéo, désactiver le chat vocal, contrôle du chat vocal, sous-titres, automatique par défaut, on va mettre oui. Oui, par contre, je peux pas gérer le. Manette, y a rien pour baisser le son. Alors, est-ce que je. Il y a une option pour baisser le son dans les paramètres console de la Xbox. Si tu appuies sur le bouton de lumière, tu vas dans les paramètres à droite, le rouage. Et tu as audio qui peut peut-être. Non, mais sinon j'ai essayé de baisser par le mixage volume du PC. Par contre, ça m'a inversé. C'est quoi cette arnaque? Eh? Ça m'a inversé la vue du. Ça m'a inversé le joystick. Ah, alors ça c'est. Ah non, c'est parce que ça sans vouloir, j'ai passé sur défaut. Ouais, ok, c'est bon. J'étais passé en gaucher, c'est pour ça. J'ai pas fait gaffe. Ok, normalement c'est bon, normalement vous entendez la musique moins fort et ça devrait aller. J'espère que vous entendez moins fort. Je vous dirai rien de façon. Faut pas récupérer d'armes pour le moment. Vas-y, je te suis, chef. Par contre, c'est tellement moche de te voir patiner comme ça. Tu peux essayer de passer devant hein, pour l'instant, il faut surtout suivre ce Marines là, hein, donc voilà. Le capitaine Keyes nous attend, chef. Allez Keyes, j'arrive. Et à Keyes, je pensais plus vieux, moi là-bas, ça il fait trop jeune quand je le vois dans le... Il fait un peu plus jeune, ouais, dans cette version. Je l'imaginais plus vieux. Salut Gabriel. Faut rappeler aussi que tu peux passer à tout moment sur cette version anniversaire en appuyant sur la touche back de ta Xbox, la touche avec les deux petits carrés superposés sur la vieille, la toute première version du jeu. D'accord. Je l'avais fait sur Xbox 360, la version anniversaire. Les sous-titres sont pas du tout les mêmes que ce qu'ils disent en fait. Une charge antimatière, j'imagine. Madame, la conduite de tir du canon principal est désactivée. Là, si. Capitaine, le canon était ma dernière option offensive. Très bien. J'applique le protocole Cole, article 2. On abandonne l'automne. Et vous aussi, Cortana. Et pendant ce temps, vous coulez avec le navire? C'est à peu près ça. L'objet qu'on a trouvé, je vais essayer d'y poser l'automne. Sauf votre respect, chef. Cette guerre a déjà tué trop de héros. J'apprécie votre intérêt, Cortana. Mais le protocole est clair. La destruction ou la capture d'une intelligence embarquée est hors de question. Ce qui veut dire que vous devez quitter le vaisseau. Désignez plusieurs zones d'atterrissage. Téléchargez-les dans mon réseau neural. Et préparez-vous à un dur transfert. Aïe aïe, chef. Par contre, cette voix... C'est là que vous intervenez, adjudant. Débarquez Cortana du vaisseau. Mettez-la à l'abri de l'ennemi. S'il la capture, ils sauront tout sur nous. Dispositif. Recherche en armement. La Terre, je comprends. L'automne va continuer ses manœuvres jusqu'à ce que vous lanciez la séquence d'atterrissage. Un conseil, laissez mes sous-programmes superviser l'approche finale. Excellent travail, Cortana. Merci. Vous êtes prête? Transférez-moi. Bonne chance, adjudant. Votre architecture n'est pas si différente de celle de l'automne? Ce n'est pas le moment de plaisanter. Il n'est pas chargé. À vous de trouver des munitions en chemin. Par contre, pour le moment, moi, je n'ai pas d'armes.
Non, c'est normal, il nous la donne, mais il faut trouver des munitions avant qu'elle apparaisse devant. D'accord, je suis en train de voir qu'on pouvait descendre l'échelle, là, peut-être un peu. Comme ça, on pouvait voir l'espace en bas. Ah, tu peux voir le... Le halo. Le poste de commandement. Qui là, paraît ouais. tout petit, en fait, de là où je suis. Le halo, en fait, on est très très loin encore pour le moment avec le vaisseau. Mais une fois qu'on sera dessus, on verra quand même une sacrée différence. Pour ceux qui découvrent avec nous cette saga, je crois pas que ça puisse exister encore, mais on ne sait jamais. Quittons le vaisseau avant que les Covenants ne l'aient totalement envahi. Mais ça me donne des frissons, franchement, de voir ça. Ça faisait tellement du bien déjà à l'époque. J'étais coincé, non? Parce que je vais continuer à courir dans le vide. Ça y est. Et donc c'est parti. Et y'en a un qui est bloqué, il fait rien. Il a pas réagi, lui. Ouais, il était un peu bloqué. Alors faut que j'arrive à me rappeler. Ça y est, c'est bon, je sais comment on fait pour recharger. Waouh. Je tire sur les nôtres. Je tire sur les nôtres. Je suis tellement doué. Je te tire dessus aussi si tu veux. Hein. Si ça peut t'aider. Là, on le sent qu'on joue normal. Alors faut que j'arrive à me rappeler comment on fait pour changer d'arme si c'est ça. Par contre, il y a un système d'auto-aim là qui est vraiment désagréable. Il y a une légère aide à la visée, mais c'est ce qui rendait aussi le jeu très agréable sur console à l'époque où le FPS était dominé par le PC. Et où les seuls bons FPS étaient sur PC. Voilà, quelques tentatives console étaient toujours un peu ratées, à part les exceptions comme GoldenEye et Perfect Dark. Faudrait que je te retrouve, parce que moi je suis parti dans un sens. Alors j'ai été. C'est bon, je t'ai retrouvé. On va retrouver. Bien joué. D'ailleurs, vous remarquerez qu'en fait, il n'y a plus la croix rouge sur les packs, sur les medikits. Du coup, on est parti en normal à cause de la latence. Il n'y a plus de croix rouge sur les medikits, tout simplement parce que la croix rouge, justement, a porté plainte ou a demandé à ce que ce soit enlevé. J'avais déjà parlé de ça dans un autre live. On a pris en normal parce que le but c'est qu'on puisse avancer, se faire plaisir sans qu'on... Hop, premier stock. J'adore cette option. Pouvoir coller les ennemis avec les grenades extraterrestres. Alors au fond de cette passerelle, il y a des options bien utiles. L'invisibilité. Non, alors ça, le rouge, le rond rouge, c'est le power-up de bouclier. Ah d'accord. Un bouclier supplémentaire peut toujours être utile. Effectivement, maintenant que tu le dis, il me semble que c'est le triangle l'invisibilité, non? Le triangle bleu? Ouais, le triangle bleu ce sera l'invisibilité. Ensuite il y a ça. Ouais, il y en a que deux, un droit à loin. Vous me décevez, qui me dit BG. Alors avec le bouton bleu, tu peux allumer ta torche hein, normalement. C'est ça que je recherchais, j'ai appuyé sur tous les boutons sauf ça. Comment la sensibilité me fait bizarre. Bon. Ouais ouais. On se débarrasse de 2-3 ennemis. Je suis bloqué. Pousse-toi, sale Marines. Voilà. Non mais ce jeu c'est tellement de souvenirs. Mince, j'ai raté. Allons-y. À vous l'honneur. À moi l'honneur. Ah, ça explose par là-bas, je vais aller voir du coup. Faut aller dans le feu de l'action. Pas trop le choix. Oh, il y a de belles explosions là. Alors, il y a juste un petit détail qui est valable dans Halo 1 et qui sera un tout petit peu moins féroce dans les autres Halo. C'est que les grenades au sol explosent si on leur tire dessus. Et ça peut des fois déclencher des réactions en chaîne qui peuvent être juste meurtrières, pour faire gaffe. Ouah mince, raté.
jette de l'aggro dans tous les sens. Ah, je l'ai encore raté, mais j'arrive pas à les avoir, hein. Je fais que tirer à côté, les grenades. Oui, encore du bouclier, là. Un chacun. Encore du bouclier, tu peux le prendre. Ah mais non, moi je peux prendre parce que du coup, il me reste encore. Tu t'en restais encore, ouais. Je pensais qu'on pouvait recharger totalement, même si... Par contre, le fait d'appuyer sur le joystick, je trouve ça ultra désagréable. Je crois que... Alors, il faut... Tu peux changer aussi l'option, tu peux avoir l'option on-off, hein, qui évite de... Tu peux appuyer qu'une seule fois. Ou maintenir appuyé ton stick. D'accord. Bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, ça m'a téléporté, du coup, il y avait un mec derrière nous. Attends. Ah, j'ai été téléporté, oui. Je t'ai vu avancer vers moi, donc je m'en doute. Ah, ouais. Oh, cette salle. Ouais. Ah. Première fois qu'on l'avait vu. Mince. C'est une des premières salles qui peut être vraiment compliquée. Surtout en légendaire. Une difficulté un peu plus élevée. J'ai l'impression que c'est lent, en fait, comme gameplay. J'ai tellement de mal à tourner le joystick. Le stick de vue. Je gagne des succès qui apparaissent à la fois sur mon PC et sur l'ordi, c'est rigolo. Oula, il y a des ralentissements là. Hop, premier freeze. Il y a encore des gens derrière nous apparemment là, mais ils sont où? Il y en a en bas, je vais chercher. Alors c'est un des petits trucs de Halo que j'aime bien, c'est que on peut tracer sans du tout avoir à éliminer tout le monde. Ouais, mais j'aime bien voir leur sang sur la carcasse du bateau, enfin du vaisseau. Alors on le voit pas toujours, mais en fait ça se voit moins ici, mais à l'époque, le sang des Covenants était d'une couleur très très rigolote. Attends, il va falloir que je te retrouve du coup. C'est parti par là-bas. Je sais pas si tu me vois. Je peux pas ramasser son arme à lui? Ah non, c'est RB. J'ai mes armes. Voilà, je voulais lui montrer du sang, mais apparemment il est pas d'accord le jeu. Que ce soit sur le nouveau là, ou sur l'ancien. Juste là sur le mur, il y a une belle trace, mais il est plus. Il est beaucoup plus sombre, mais c'est pour ça que je repasse à l'ancienne version pour le voir. Ah, il n'apparaît pas sur l'ancienne version, peut-être, ouais. Ah, si, là on en voit un petit peu. Voilà, moi c'est ce qui m'avait marqué, c'est ça. Là on le voit le sang au sol en ancienne version. C'est-à-dire qu'il y avait les Covenants avaient du sang vachement coloré. C'est super rigolo. Là par exemple, on vient aussi de le voir, une petite tache bleue. Et des fois c'est du orange, c'est du rose, c'est. C'est assez varié à ce niveau-là, et du coup j'aimais beaucoup. Jusqu'au départ du personnel opérationnel. Non mais effectivement je pense que c'est pas l'habitude, je me sens juste super long. Bon, les premières navettes se barrer. Voilà. Bah, celle-ci n'ira pas bien loin. Ils ne veulent pas de nous sur cet anneau. En effet, ils ne veulent pas de nous sur cet anneau, ça c'est sûr. Ça ramène un peu sur un niveau parasite. Bah en fait là, on s'est posé la question vraiment dans quel niveau de difficulté on allait jouer, mais... Attention, fermeture des portes. Il faut emprunter les issues de maintenance du vaisseau. Suivez le point de navigation, il vous guidera vers une sortie. C'est bon, point de navigation, on l'a. Alors c'est parti. Petite phase de labyrinthe. Je te suis. Ah c'est pour ça, c'est parce que j'étais téléporté. Ouais, c'est juste devant moi, vas-y, tout droit. Attends, j'ai envie de faire joujou. Ah mince, c'est encore passé à côté. Je suis déception, mais tellement quoi. Je pense qu'elle a fait quand même masse de dégâts. Ces deux grognards sont son diable. Yes. Je vais faire le ménage de ce côté-là. Ouais, t'es peut-être pas trop le moment de recharger. Je l'ai eu. Peut-être perdu un petit point de vie. Mais voilà, c'est bon. Ça revient. Tout va bien. Donc là, on est dans la salle qu'on a vue lors de l'intro. La salle de contrôle pour réveiller le Spartan. Et les Spartans arrivent. Ils nous cherchaient. C'est d'ailleurs l'élite qu'on voit apparaître dans l'intro, celui-là. D'accord. C'est nous qui voulions, en fait, depuis le début, quoi. Quoi dans cette salle? Rien de plus. Rien de particulier.
Oh, pardon, à chaque fois on gêne par contre. Ouais. Ça c'est un peu dommage. Ouais, mais le niveau est très très étroit, hein. Ça va être plus facile sur. Ah mais lui il meurt, hein, je suis bête. Ah peut-être pas. Ah mais ça peut être dans tous les sens, il meurt tout. Ah mais t'es pas mort toi. C'est bon, on les a eus. Là c'est coincé. Ouais. Allez. Le vaisseau n'est vraiment pas en bon état, hein, qu'on se le dise. Qu'on se le dise. Ah, tu joues l'arme Covenant. Oui, alors tiens, on va faire un point sur le gameplay. Dans Halo, on ne peut avoir que deux armes en même temps. Donc du coup, il faut trouver ces bons combos. Et il y a des combos qui sont vraiment très fatales. Comme le système de bouclier qu'on a sur Halo, ces boucliers d'énergie peuvent être déchargés en one shot avec les petits piou-piou verts, là, les armes covenantes vertes qui sont chargeables, les armes des grognards. Et utiliser un combo boule chargée plus ensuite une arme, peu importe, c'est très efficace contre les élites parce que ça leur enlève leur bouclier d'un seul coup. Alors après, le fusil d'assaut élite, l'arme violette, là, celle que je tiens dans les mains, permet d'être plus efficace contre les boucliers. De toute façon, les armes à énergie sont beaucoup plus efficaces contre les boucliers. Donc du coup, ça permet de décharger le bouclier assez vite et d'entamer la vie rapidement. Donc c'est tout un système de combo, hein. c'est assez classe. Bon, en normal, on n'en aura pas vraiment l'utilité, ça va être très simplifié. Et pour s'en sortir dans les niveaux de difficulté, ça devient quasiment obligatoire, indispensable de bien choisir ses armes. Commence. Bon, c'est une seconde couche, tant qu'à faire. Oh bah... Oui, vas-y. Puis c'est des grognards, hein, c'est fait pour. Alors une fois que tu auras fini de t'amuser avec ces pauvres manouches, où es-tu passé? Ah attends, je reviens vers toi. Tu es rentré dans le... Dans le quoi? Ah bah voilà, très bien, t'avais trouvé la capsule. Non mais je te voyais dans un coin, donc c'est pour ça en fait, c'est toi que j'attendais, je sais pas où t'étais parti. Allez-y. Ah, Forerunner. Et la voix de Cortana, je la reconnais pas, ils l'ont changé après, non? Non, c'est toujours la même. Après, peut-être que le mixage audio a un peu évolué avec le temps, mais sinon c'est la même actrice. Peut-être qu'elle joue mieux. Qu'est-ce que c'est que ce truc, lieutenant? Aucune idée, mais on y atterrit. L'automne, il a été touché. J'en étais sûr. L'automne accélère. Qui se passe en manuel? Ah, mais c'était tellement impressionnant ce passage. Avec la musique et tout. Dans l'atmosphère de l'anneau dans 5 secondes. Vous êtes sûr de ne pas vouloir vous asseoir? Ça va aller. S'il me restait des doigts, je les croiserais. Ah, c'était tellement bon. Forcément, il y a la nostalgie qui parle, quoi, mais... C'était génial. On arrive trop vite. Oh non, problème d'aérofrein. Ils se sont sortis trop tôt. Je perds le contrôle. Cramponnez-vous. Chef, vous m'entendez? Ah, enfin, ça va? Vous pouvez bouger? Faut croire, oui, les autres, c'est pas forcément le cas. Salut, Neo Nilae. Les autres, le choc, on n'a rien pu faire. Eh bien, nous voilà sur l'Halo. Et ça, là, ça, c'était marquant, cette vue-ci. Ah, c'est le panorama avec l'Halo en toile de fond, j'étais fan aussi. Attention, plusieurs vaisseaux des Covenants s'en approchent.
Bon, on se barre direct ou on les attend? Ah, on va se barrer, direct, je pense, hein. C'est plus... Allez, hop, je vais voir là-bas. Mais rien que cette traversée, ce truc géant, ces machins en bas, là, c'est... Pff, c'est tellement de souvenirs et... C'était magnifique. C'était grandiose, hein. C'était grandiose. C'est vrai qu'en 2001, on avait encore très très peu de FPS au niveau large comme ça. Ça restait encore des FPS assez confinés, quoi. Il n'y avait pas de grandes étendues, de plaines aussi vastes. Les chemins étaient souvent tout tracés de couloirs. Ok, Neo. Ah. Ils nous ont repéré les Banshees. Ouais. C'est pas grave, on les tuera s'il faut. Pareil, hein, c'est aussi un FPS qui laissait place à l'infiltration. Ouais. Oh, non mais même c'était c'est... pas une infiltration, c'était pas Splinter Cell, hein, mais... Là, il y avait un univers de folie, quoi, quand même, c'était... Non, ah. Puis on débarque sur cet halo pour la première fois qui se trouve à l'autre bout de l'univers. Ah, tu l'as eu. Alors... Ah non, je sais pas moi. Pourquoi il est mort? Ah, attends, on peut le récupérer, le Banshee, là, il est tombé à terre. Tu... Regarde. Il est tombé à terre, mais il doit être... Si tu l'as... À moins que t'aies tué le personnage, je crois que dans le 1, ça doit détruire le Banshee, non? Non, je pense que le Banshee est mort. Ah ouais, le Banshee est mort, je crois qu'il est cassé. Et effectivement, il est cassé. Ouais. Non, non, il est pas prenable. Alors, mais alors, si tu avais eu un Banshee à cet endroit-là du jeu, mais t'aurais cassé le game, quoi. Mm. Je crois qu'on aurait eu le plus beau speedrun de tout l'univers. Mais ouais, on a terminé Vampire et je reste très déçu quand même, hein, Neo. Très, très déçu. C'est bien, bien triste. Mais alors, je vous montre juste le panorama, parce que je trouve en fait presque le panorama est plus joli en ce qui concerne l'halo. Parce qu'en fait, Halo, c'est ça, hein, cette espèce de grand cercle qu'on voit autour de nous. Et je trouve qu'il est plus joli dans l'ancienne version que dans cette version-là, parce que là, il y a les nuages, les machins, et du coup, on le voit moins. Alors, ça, c'est plus réaliste, mais je trouvais ça plus joli comme ça. C'est. Je partage un peu cet avis. C'est vrai que lorsqu'on y jouait, les premières fois, ce panorama, cet Halo qui partait dans l'espace très très loin, mais qui restait. Visible à l'œil nu, quoi. C'est pas non plus. C'est pas des petites étoiles. Oh, ma vie. J'ai bien dégusté. C'était super beau, quoi. Bah en fait, surtout super qu'on avait l'impression d'être sur un terrain en particulier, on voyait le terrain qui continuait comme ça au loin, et on voyait bien que c'était une terre, en fait, comme si on avait une terre, surtout que le truc de l'halo. Et là, je trouve qu'on le voit moins, on voit qu'il y a un truc, une immense masse, on pourrait dire que c'est carrément un anneau métallique, tu vois. On se rend pas forcément compte. Mmh. On se rend pas compte qu'il y a terre et mer, quoi. Merci beaucoup pour le host, Neo. Et ouais, non, je trouvais ça impressionnant. Là, on se rendait bien compte. En fait, c'est un énorme anneau avec de la terre dessus. Une vraie terre avec des nuages, avec du terrain. On se rendait compte qu'on était sur le terrain. Là, je trouve qu'on le sent un peu moins quand même. Peut-être plus de l'autre côté, mais là, de ce côté-là, avec les nuages, avec la forme, on a l'impression que c'est juste une grosse masse métallique. Et on comprend moins, je trouve. Mais ça restait vraiment impressionnant. Moi, j'avoue que. La première fois que je... Puis c'était mes premières consoles aussi, donc forcément ça marque, mais là, je craquais complet. Techniquement, techniquement, à l'époque, lorsqu'on avait la Xbox et qu'on découvrait Halo pour la première fois, ça envoyait du bois, hein, malgré les FPS qu'on pouvait avoir sur PC au moment. Hein. Alors, parce qu'il y avait une direction artistique. Je vais dire de des fouille. Bêtises, mais je sais plus exactement ce qu'on avait sur le moment. Moi, je me souviens qu'à cette époque-là, je jouais à Ghost Recon sur PC. Le tout premier Ghost Recon, il y avait Hitman aussi qui venait de sortir, je crois. On était sur quelque chose sur console qui envoyait vraiment quelque chose de lourd, quoi, par rapport à ce qu'il y avait sur PC. Ça, avant, on était habitué à prendre des claques sur PC et à prendre ce qu'il y avait sur console. Et là, on avait enfin sur console un FPS qui ressemblait à quelque chose qui se faisait sur PC, quoi. C'était vraiment génial. Je reçois le signal d'une nacelle de survie de l'autre côté de la colline. On n'avait pas l'impression d'avoir un FPS au rabais, quoi. Bonne nuit, Neo. Merci beaucoup pour le host, encore une fois. Passe une bonne nuit, fais de beaux rêves. Et bon courage. Les boutiques, donc je suis Zéry. Bon, allez, bon courage et repose-toi bien. Merci beaucoup et passe, ça fait plaisir, encore une fois.
J'arrive pas de naviguer entre les deux parce que franchement je trouvais l'ancienne version plus jolie, moins réaliste certes, mais plus jolie avec ce sol vert et tout, c'était... Ah, j'ai passé un nombre d'heures incalculable à essayer de compter le nombre de brins d'herbe parce que je pouvais voir tous les brins d'herbe. Moi ça m'impressionnait à l'époque. Ah ouais. Moi j'avais pas de console à cette époque là donc... Halo j'ai découvert chez un pote. Et je me rappelle qu'on lisait un magazine avec les articles et les magazines étaient fous aussi du jeu et ça se comprend. Et là, c'est une énorme construction, imaginez vous arrivez devant pour la première fois et... Bah on découvre cette architecture un peu chelou et tout va se mettre en place petit à petit. Ne vous inquiétez pas, sergent, on va attendre l'arrivée du vaisseau. Faut savoir qu'on est en... On est seul dans l'espace là, on s'est crashé, on est en environnement hostile. On s'est perdu dans l'espace et on s'est crashé sur ce point. Alors je sais pas si on fait un point histoire tout de suite maintenant ou si, tu veux, si on attend un petit peu histoire de découvrir un petit peu une game et s'il y a des questions qui se posent, tu me les poses et on essaiera d'y répondre. Non mais vas-y, tu peux y aller. Moi je trouve ça très intéressant et puis la plupart des gens ont déjà vu Halo. Donc au final on est là surtout pour le plaisir, on n'est pas là pour découvrir l'histoire je pense actuellement. Donc si t'as des choses à dire, n'hésite pas, ça sera très agréable. Oh bon, on amènera ça au fil du temps. D'accord. J'ai pris cher là-dessus. Pareil. Je te laisse la trousse de soins si t'as pris cher. Je vais récupérer celle qui était là-haut, je crois qu'il y en avait une autre. Vas-y, on va essayer. Je vais aller m'occuper de ce petit... On est en normal et... On est en normal et j'ai déjà perdu ma vie deux fois, quoi. Allo, c'était pas de la merde? Non, clairement non. Les répliques des Grant. Je te tire dessus! Ah, tu attends BG au tournant peut-être pour le Halo, c'était de la merde. Donc là, on attend les secours. Hein. Savoir que notre vaisseau, on est un peu éparpillé. On a les capsules de sauvetage. On n'a pas vraiment choisi leur lieu d'atterrissage, leur zone d'atterrissage, donc là on est obligé d'attendre des secours. Et puis d'aider aussi, c'est survivant. Quoi. Le vaisseau qui a fait une pause avant de descendre. J'ai l'impression que l'aide à la visée se met toujours légèrement au-dessus à droite. C'est possible que ça gère un petit peu le mouvement de l'ennemi et du coup comme il essaie de t'aider à viser le plus possible sur la tête Ouais mais justement il tire à côté de la tête du coup. C'est une aide à la visée, ce n'est pas une visée auto hein. C'est pas un auto et... Non mais justement moi ça m'agace parce qu'en fait j'essaie de viser la tête et ça m'aimante légèrement au-dessus à droite de la tête en fait. Moi je t'avoue que là je l'apprécie grandement, parce que comme je te disais, il y a une super latence, et bah, cette petite aide m'aide un petit peu. Quoi. Oh, cette musique. Ouais, même, c'est tellement magique de voir les mecs débarquer comme ça au fur et à mesure. Ah, la saleté, il a fui. Du coup j'ai vraiment l'impression de mal viser, faudrait que je regarde si je peux désactiver cette aide là. Ah je crois que oui. Ça se trouve je viserai encore plus mal après mais je pense que je vais essayer de la désactiver parce que... J'ai l'impression que ça vise toujours pas là où je veux. Comme s'il y avait un aimant qui était pas au bon endroit. Toujours en vie? Pour le moment ouais ça va. 419, ici équipe Charlie, on vous reçoit. C'est vous, Fohammer? Bien reçu, équipe Charlie. Content de vous entendre. Fohammer, on a besoin de vous pour rejoindre la navette de commandement. J'arrive. Regardez, d'autres nacelles de survie. Ils arrivent vite.
Si ces nacelles atterrissent, les Covenants vont leur tomber dessus. Si tu regardes au ciel, voilà, vers le soleil, on voit les nacelles qui vont se cracher. J'étais en train de les montrer. Il faut aller les chercher. Mais vraiment, quand je passe sur l'ancienne version, ça rappelle tellement de souvenirs. C'est tellement beau, en fait, qu'il y avait une ambiance colorimétrique qui était très très réussie. C'est-à-dire que... on avait ce sol d'un vert qui était pétant, comme ça. Ça, les rochers étaient pas vraiment gris, ils étaient violets. L'adjudant et moi avons besoin de renforts. Vous pouvez nous envoyer quelques hommes ? Alors voilà, les survivants vont pouvoir évacuer. Je crois qu'on a pas perdu grand monde. Je t'avoue que j'ai même pas fait attention. Ça c'était un de mes challenges hein, dans les jeux vidéo, essayer de perdre le moins de PNJ possible. Y'a rien à faire, je crois que je préfère le jeu original. Hein. En graphisme. Ça me perturbe d'avoir les... Ah mais je te laisse libre de jouer au jeu que tu veux. Allez hop. Allez, je te laisse piloter. Mais avant ça, on va faire une courte pause temps de relancer la rediffusion. Parce qu'on est arrivé aux premières 40 minutes, donc je rappelle qu'on va essayer de filmer jusqu'à 5h à peu près. Après, ce sera fini. Du moins pour tout de suite. Qu'en pense Connor ? C'est une bonne question, je ne sais pas. Du coup, j'espère que cette première rediffusion vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouvera très bientôt pour la suite des événements, toujours avec Iron Bobby. Encore une fois, merci à toi d'être présent. À la prochaine. Oui, je vous en prie, à la prochaine pour voilà. La suite. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur petitjeu.fr. Passez une agréable fin de journée, prenez soin de vous et à ciao tout le monde. Salut !